d'un des voix s'élève que le projet de loi C-36, tel qu'il est écrit actuellement, n'aurait pas pour effet de rendre illégale la prostitution. Cet aspect est important car le caractère légal de la prostitution a été un élément fondamental qui, pour les juges de la Cour suprême, justifiait notamment leur décision dans l'arrêt Bedford. Est-ce que le ministre de la Justice pourrait inscrire clairement dans le projet de loi C-36 que la prostitution est illégale au Canada? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je remercie la députée pour sa question et pour son intérêt de longue date pour protéger les Canadiens vulnérables et les collectivités. Ce sont les deux objectifs, parmi d'autres, que l'on retrouve dans le projet de loi C-36. Notre intention, Monsieur le Président, c'est de respecter l'échéancier établi par la Cour suprême dans la décision Bedford. Nous voulons procéder de manière à améliorer la vie de celles qui décident de quitter la prostitution. Nous avons instauré des paramètres pour protéger les enfants de ces communautés. Nous espérons que tous les députés soutiendront nos efforts qui rendront les communautés canadiennes plus sécuritaires. Député de Peterborough.